Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors je suis désolé, ça fait un petit moment que j'avais pas du tout touché à Iconoclast parce que bon déjà j'étais sur Monster Hunter. Mais après aussi donc je suis tombé malade. Et voilà, j'avais la grippe, j'ai toujours la grippe d'ailleurs. Bon, ça s'entend peut-être pas trop, mais c'est vrai que c'était assez une grippe assez résistante. Donc là, je viens juste de pouvoir, je peux reprendre enfin le jeu avec une voix plutôt normale. Donc on est le 1er mars, donc ça remonte. Donc je suis désolé pour le retard. Par contre, on va devoir réapprendre le gameplay parce que là, j'avoue que ah d'accord. Là. Bon, je pense pas avoir oublié des trucs importants. Par contre, je sais plus du tout où il faut aller. Je crois qu'on venait de défaire là les sortes de turcs à la FF7. Donc il n'y a pas eu grand chose de nouveau pendant ces 2-3 semaines. Je suis allé à l'exposition de Final Fantasy à Tokyo, qui était vraiment bien. J'ai pu voir Monsieur Nomura en personne, qui a parlé du remake de FF7. Il nous a montré des images inédites où on voit donc le nouveau Cloud dans le remake, qui est très très jeune, qui fait un petit peu nunuche en fait. Et on a dit que c'est fait exprès. Comment on fait? Ah d'accord. Donc c'est comme ça pour regarder L1. Enfin L1. Ok. LB donc et RB. LB, LT plutôt. Je suis allé au Bar Capcom aussi. Bar Capcom très triste, vu que Monsieur Bar Capcom a fermé. Voilà, Bar Capcom n'est plus. Il devrait réouvrir. Donc si jamais vous comptez aller sur Tokyo, le Bar Capcom va réouvrir, mais on sait pas quand, on n'a pas de date. Donc ça peut être dans très longtemps, malheureusement. En fait, c'est vers le bas. D'accord. D'accord. Donc oui, on avait vu qu'ils n'étaient pas vraiment très humains, nos très chers ennemis. Sinon, maintenant que j'ai mieux, j'ai essayé de prendre plus de vidéos d'autres jeux aussi. Pas seulement Iconoclast, de faire des jeux aussi un petit peu... beaucoup de jeux indés, je pense. Hein. Que Iconoclast, c'est un petit peu le cas. Et pas mal de jeux rétro. On parlait en rétro, pas forcément des jeux NES, mais des jeux qui peuvent aller même 64, GameCube, Wii. Enfin, c'est vrai que la Wii, c'est pas si rétro que ça. Hein. Enfin, il y a quand même deux générations avant, vu que maintenant on est sur Switch. Ok. Y a pas une touche. On peut tirer sans bouger. Ah. Qu'est-ce qui vient de se passer, bon sang? Tout a bougé. Comment va-t-on faire maintenant pour dire ou envoyer des renforts? Est-ce qu'on a moyen de quitter cette ville en fin de compte? On est au beau milieu de l'océan. Pourquoi est-ce que Général Chrome n'est pas ici? Il aurait des idées. Arrête avec tes questions et ferme-la. Le Général a affirmé avoir eu une révélation et est parti à l'ouest. Je suis sûr qu'il a trouvé quelque chose de bien plus important là-bas. Et puis où sont passés les agents? J'en ai rien à faire de ces foutus agents.
Il faut qu'on réfléchisse à une solution. Les habitants ont dû suivre une procédure et se barricader chez eux. Du coup, ils nous laissent leur ville. Aucune idée. Peut-être comptent-ils nous affamer ici ou faire quelque chose d'autre dans le genre. Heureusement qu'ils n'ont pas en réserve un vilain robot géant surprise. Dis pas des choses comme ça. Du calme. Je vais voir comment vont les autres gars. Ne te fais pas dessus. Ne te fais pas dessus. Pas mal. C'est quoi ça? Ah d'accord. Putain la vache. Oh, mais il est pas mort en plus. J'étais déjà venu ici, sûrement. Vu que les coffres sont ouverts. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache! Je sais plus jouer! Aidez-moi! On n'avait pas eu des mecs comme ça jusqu'à présent, je crois. Ah d'accord, il y en a 12, il faut les tuer. Bon. Comment est-ce que je te tue? Overstun. C'est bon. Quand ils sont stunnés, ils sont morts apparemment. Donc, lui, il est là. Encore 11. Ça va être chaud, hein. Donc ouais, il faut d'abord partir à droite, ensuite on va à gauche. Ah, j'ai pas du tout... Attendez, j'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé. Je venais d'envoyer un message à quelqu'un. Je vais regarder l'heure du message pour voir. 8 minutes. Ouais, j'ai dû commencer à 10. 12. Okay. Juste pour voir à peu près... pour chronométrer, enfin chronométrer les parties, entre guillemets. Ok, on est bon. Ça c'était le début de la zone, hein, si je me souviens bien, je crois. Ah. Oh là 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 là. Excellent. Ah. Oh putain. Ah. Oh putain. C'est quoi ces grenades qui rebondissent contre les murs, dis donc. Je suis sûr que la police aimerait avoir des grenades pareilles. Encore 7. On devrait pouvoir y arriver, je pense. C'est là d'où je viens, non, non. En bas, il y avait... Non, en bas, donc on était bloqué. Donc on va aller là au milieu. Ça va être chaud là. Je suis à la moitié de ma vie. Quoique il y a le point de sauvegarde. Ouais. Je reprends de la vie à mon avis. Je reprends de la vie à mon avis. Et vous, quel est votre avis? Ah, la vie de la vie, ce n'est la vie que de la vie. On va prendre de la vie ici. Voilà. Ça va un petit peu mieux. Ou deux en même temps. Avec notre ami qui nous envoie des vagues à la Fatal Fury, là. C'était qui? C'était Ted Bogart ou je sais pas quoi là qui faisait des vagues bleues comme ça en frappant le sol avec son poing. Terry Bogart là. Qui balançait sa casquette à chaque fois qu'il gagnait. Bon, on va reprendre un petit peu de points de sauvegarde, hein, vous serez d'accord avec moi. On sait jamais.
Donc là, il devrait y avoir les trois derniers. Ah, j'avais oublié, oui. On peut aussi... Et ça fait quoi, ça, déjà? Quand on charge. Ah, oui, oui, les roquettes. J'avais oublié. Ah. Ah, d'accord. En plus, c'est des grenades à tête chercheuse. Que un. Bon bah le voilà. Notre très cher ami. Bonjour. Allez hop. Voilà. Merci pour tous tes efforts. Quel que soit celui ou celle qui a mené le projet ici, il semble que personne n'a été blessé. Le seul robot défensif qui nous restait a été détruit il y a un moment. Quelle chance que tu aies réussi à neutraliser ces soldats pour nous. Je ne vois absolument pas qui a saboté mon fichu robot. Nos appartements peuvent servir également de chambre forte. Nous pouvons y rester plus longtemps que les personnes à l'extérieur. Si le projet n'arrive pas à détecter notre nouvelle localisation, les soldats devront, pour s'échapper, parcourir de grandes distances à la nage ou bien mourir de faim. Longue phrase. Au fait, si tu comptes continuer à nous aider par la suite, cette charmante clé rétro aurait bien besoin d'être modernisée. Clé électrique. Elle est désormais électrifiée, c'est très utile, tu verras. Je pense que je vais vite m'en servir. Tu découvriras à quoi cela sert au fur et à mesure. Sache tout de même que si tu lui donnes plusieurs tours, elle se chargera. Ok. Est-ce que ça te dérangerait de faire à nouveau le tour de la ville avant que je ne débloque les chambres fortes? Et donc on est électrifié. Ça doit faire quelque chose, j'imagine. C'est quoi déjà les trucs que j'ai en haut? Collection... CC... Outils... Clé électrique... Ah bah voilà, tu pourras ensuite activer plusieurs choses dans l'état de proximité, on dirait. Ok. Donc oui, comment on fait pour aller en haut là? Non, c'est pas ça que je veux. Collection... Je peux pas aller en haut? Je sais plus ce que j'ai en fait en dessous de la barre de vie. À quoi ça correspond. C'est pas grave. Donc voilà, dans ces vidéos, c'est apprendre le français avec Iconoclaste. Hein. Vu qu'il n'y a pas de dialogue, enfin, parlé. Si jamais il y a des intéressés qui cherchent apprendre le français, ça peut être pas mal aussi d'apprendre une langue, vous savez, avec YouTube. Surtout que vous apprenez une langue, pour le coup, que ce soit, genre, vous regardez des vidéos en anglais, en français, en japonais, en chinois, tout ce que vous voulez. Vous apprenez bah, vraiment la langue des jeunes, la langue vraiment utilisée dans le pays actuel, donc ça c'est vraiment bien, quoi. Ne vous avisez pas de vous approcher avec vos maudits arbres tueurs. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je vous ai dit de dégager. Qu'est-ce que tu lui as fait? Oh, il s'agit d'une personne à laquelle tu tiens. Dans ce cas, je ferais bien de me servir du mur pour lui enfoncer son crâne dans le thorax. C'est gore. Ce ne serait que justice. Non! Quel type d'atrocité commettez-vous ici? Qu'est-ce que tu veux? Laissez-moi quitter ce trou à rats sans me poursuivre. N'essayez pas de m'avoir avec l'une de vos techniques dégoûtantes qui ont servi à tuer Blanc. Tu vas la tuer! Je devrais! Peut-être que j'abandonnerai son corps quelque part du moment que je suis loin. Je ne te crois pas! Tu devras bien. Bon, je vous laisse! Le fameux Arg.
Bon, c'est un petit peu mieux quand même quand c'est dialogue japonais, hein, j'avoue que j'arrive peut-être un petit peu mieux en français. C'est vrai que c'est ça fait toujours bizarre. Je regarde pas énormément de trucs en français, donc c'est vrai qu'en général, à part des films français, des comédies françaises, il y a très peu de jeux français aussi, donc enfin très peu de jeux français. Y a quand même Ubisoft. Bon. Nondin. Y avait pas un truc avec l'eau? Ah, je me demande si c'est pas l'eau. Un truc qui nous permet de nager plus longtemps, je sais plus. Elle est très bizarre la fleur, toute seule. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui es-tu, monsieur? Salut! Il paraît que tu as sauvé notre ville. Merci, championne. Mais cela a clairement montré qu'on n'est pas autant à l'abri qu'on l'imaginait. Effectivement. Si jamais je refais des jeux en japonais, pour l'occasion, je ferai peut-être des petits cours, mais vraiment petits cours japonais. Arrêtez de parler parce que sinon ma gorge va empirer. Donc je vais me calmer un petit peu au niveau des dialogues. Ah, c'était sa mère, je crois, non? Ah! Vous avez vu, j'ai pas tout oublié en 3 semaines. Waouh. Que de violence. Sympa la pause. Oh, t'es rapide toi. Hein. C'est l'incarnation de Flash. En plus, il a son frère jumeau juste à côté. Ah ben c'est là où on avait notre ami le soldat tout à l'heure. C'était encore toi. C'est vrai que ça serait sympa d'avoir une ville comme ça sous l'eau. Je crois qu'il y a des hôtels qui existent sous l'eau, mais des villes, je suis pas sûr. Ah. Ah, bah voilà. Protège contre une attaque ennemie. Donc ça, ouais, je l'ai pas équipé piégé. Second souffle. Ouais, c'est ça, c'est bien un truc d'eau en fait. Par contre, j'ai rien du tout hein, pour crafter. Salut, camarade. C'est un petit peu con, mais bon. Heureusement que je lui ai parlé, le truc de fou! Oh! Non,
Non mais laisse tomber. Ah ben dis donc, heureusement que je suis passé devant la cage. Jamais de la vie j'aurais pensé que c'était possible de leur parler. Et encore moins qu'il y avait une quête liée à ça. C'est un malade mental quand même, le mec qui a... Enfin, le mec ou la team qui a créé ce jeu. C'est chaud, la vache. Et merci championne. On va aller voir la maman de Mona. Est-ce qu'on peut lui parler? Au niveau des couleurs, ce jeu me fait penser à Dynamite Eddy sur Mega Drive. Je ferai des vidéos, je pense, sur ce jeu aussi. Dynamite Eddy, Cool Spot, Kid Caméléon. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à ces jeux, putain. Quake Shot et tout. Ah, c'était Mina, c'était pas Mona. Et Mona, ça fait un petit peu Mona Lisa. Oula. Cette clé à molette te permettra de glisser le long des rails installés ici. Il te suffit de t'approcher un écrou avec la clé tout en appuyant sur aucune direction. Avec la clé électrique. C'est ça. Ah. Ok. Donc ça c'est pour revenir. Et ça c'est pour y aller. Sympa. Ok. Est-ce que ça, c'est un verrou qui reste déverrouillé? J'ai l'impression que oui. Hop, merde. Attendez, la map. On est dans un nouvel endroit. Ok, ok. Ouh, c'est grand, dis donc. Ah, mais c'était pas là où il y avait une sorte de... Où il y avait le grand... Comment il s'appelle déjà? Le général Chrome. Je crois que c'est ça, hein. La musique du jeu avec les tirs de notre arme. Ah, je peux peut-être débloquer un truc. Lieu. Ouais, on peut peut-être débloquer une porte en fait en allant tout à gauche. Voilà quand Iconoclast était devenu un jeu musical. Drôle d'arme, on y est donc. Aller ici. Ah si, j'y étais allé. Mais il devait y avoir un truc qui nous empêchait d'aller plus bas. Enfin, tout en haut quoi. Je suppose. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a un truc aussi en bas à gauche. Il y a deux trucs en bas à gauche apparemment. Un complètement à gauche et un juste en dessous à gauche. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer par là quand même. On sait jamais. Parce que je suis pas sûr de pouvoir y aller. Donc en plein milieu de ce chemin là, il y a deux chemins en haut. Si mes souvenirs sont bons.
On vient de le faire il y a 2 minutes. C'est ça. 1, 2. Ok, de toute façon, je peux avoir accès qu'à celui-là pour le moment. Ah! C'était pour un coffre. Donc là on est arrivé tout en haut de cette map. Est-ce que je peux aller dans la partie à gauche? Je ne pense pas. Ah! Bon. J'ai pas réussi à récupérer le... Oh! D'accord! C'est comme ça que ça marche! Oh, c'est énorme! Putain, mais fallait le dire! D'accord! Putain, on est vachement plus rapide là! Et là, évidemment, tant qu'on trouve pas l'interrupteur, on pourra pas y aller, je pense. Bon, bah du coup, on va aller à gauche. Hein. Vous savez quoi? On va aller à gauche. Au final, comme quoi... Ah oui, je m'en souviens de vous. Vous aimez les bombes. Eh oui. Qu'est-ce qu'on a là? Donc c'était là où il y avait un truc. Donc, le fameux coffre de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on chope le coffre? J'ai bien envie de le choper. T'étais là toi? Je crois pas. Toujours la même chose. De toute façon... Ah mais si. Si, 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 il faut passer par là. Il y a un truc pour péter ces machins rouges. Bah ben ça, ça pète pas les machins rouges. Oh, est-ce qu'il y avait des... Est-ce qu'on avait un coup pour péter les machins rouges? Je m'en souviens plus, merde. Je ne crois pas. J'espère en tout cas, parce que sinon... On est dans la merde si j'oublie un move pareil. Ah non, d'abord faut l'élever. Ouais, c'est ça. Il va redescendre. Ouais. Sinon on pouvait pas passer donc. Ok. Et donc... Attendez. Bah... C'était pas là en fait qu'il y avait le coffre? Ah... D'accord. Faut regarder partout. Hein. Oh la vache. Faut regarder partout. Ok. On saura. Non, 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 non. D'accord, donc eux, c'était du poison. Je m'en souvenais pas trop trop. Bon, qu'est-ce qu'on a après? On va aller... On va essayer d'aller à gauche et en bas à gauche. On va sauvegarder. J'aime beaucoup sauvegarder, hein, n'est-ce pas? À chaque fois que je trouve une petite statuette, je me dis, on sait jamais.
Ah bah c'était la mer en fait. C'est justement pour ça. Mais c'est quoi ce truc là? Juste ici. Ça m'indique qu'il y a un passage en bas. C'est bizarre ça. T'es sûr? Comment il pourrait y avoir un passage en bas? J'avoue que là, je suis quand même assez dubitatif. Ouais. On va essayer d'aller dans l'eau déjà. Ah bah voilà. On peut y aller là. Oh, d'accord. J'ai bien fait de regarder. On va voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. C'est quoi ce que je viens de faire là? Qu'est-ce que je viens de faire là? Ok. Je ne sais pas. Ça fait peur. Non, non, non. Non, 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 non. On doit pas avoir assez d'oxygène, je pense. C'est ça le problème. Ouais, on a pas assez d'oxygène. Donc ça sert à rien pour le moment. Ok. On va re-sauvegarder. Parce qu'on aime sauvegarder. Ah. Non, dans l'autre sens. Allez, on va quand même aller voir. Oh. Métallium. C'est encore autre chose. Ok, ok, ok. Ok. Pas de soucis. Bon, là par contre, il n'y a rien. Mais d'accord. Il y a un coffre chelou. Qu'est-ce que c'est que ce coffre? Est-ce qu'il faut électrifier l'ampoule? J'ai pas l'impression. Est-ce que c'était ça les coffres avec les clés? Je crois pas pourtant. Ah, c'était là où on avait eu notre premier boss. Salut Robin. Et réfléchis jamais. C'est pas quelque chose de très très bien hein, quand tu manies un fusil à pompe. Je sens que notre deuxième personnage arrive très vite. Et donc du coup, comment on fait pour changer de... La tatou 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 tatou. On change pas en fait. C'est... C'est assez chelou.
Ou alors j'ai pas compris comment on change. J'appuie sur tous les boutons. Rien, y a rien qui se passe donc. Donc là c'était la ville. Ouais c'est ça. Parce qu'elle était sympa quand même hein, quand on l'avait utilisée contre le boss. Ah. C'était notre maison. Robin, tu es dans le Petra. Un homme de l'espace. Ça va être chaud quand même d'avoir la clé en haut. Ah ok. Bennett est un comique. Ah, il n'y avait pas un truc ici? Non. Genre on peut passer en haut à la Mario ou un truc du genre, non. Non. C'est moi qui ai dû rêver. Désolé. Comment j'ai fait pour arriver en haut? Oula. Il y a des petits problèmes d'affichage. Cette baraque aussi, on sait jamais. Ah bah c'est notre ami toujours. Non. Ah, cœur de fer. Donc c'est pas cœur de fer. Je crois que celui tout à gauche, ça augmente notre attaque à la clé à la molette. Mais par contre celui du milieu, je sais pas du tout ce que c'est. Aucune idée. J'en souviens plus du tout. Est-ce qu'il y aurait des endroits où on peut aller maintenant qu'on a notre clé à molette? Ah. Je me souviens pas qu'il y avait des fantômes dans le jeu au début. Hein. Alors peut-être que je me souviens mal, mais... Ok. Très bizarre hein, ce fantôme. Comment on fait pour tuer ça? Ah bah voilà. À la Mario, on te saute dessus. Euh...
Ah! Mais il est con, il est con! Ah, il est con! Il est con! Il est con! J'avais complètement oublié cette attaque. Et merde. Bon bah au moins maintenant on le sait. Hein. Merde! Le con, le triple con. Vu que je me suis fait toucher, j'ai perdu mes accessoires en haut à gauche, faut que je les répare. Oh mais il est con, il est con. J'avais complètement oublié ce coup de pied vers le bas. Non, 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 non. Mais oui, bien sûr. Est-ce que je peux... Comment ça marche déjà? C'est pas réparable. Comment ça marche? J'ai oublié comment ça marche. Comment on fait pour réparer ce machin? Est-ce qu'il faut tuer des ennemis? De toute façon on a qu'à aller à gauche. Ah c'est ça, faut tuer des ennemis en fait. Non, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. Putain mais encore lui. C'est clair que toi t'es rapide, hein. T'es encore plus rapide que nous. Gustavo. Ouais, ça aussi, on a dû le faire. Ah, quoique. Ah non, 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 on l'a pas fait, ça. Ah, voilà. Bon, j'imagine de toute façon que dans tous les coffres, on aura quasiment que des ingrédients. Mais bon, on va les prendre. Et donc, du coup, le coffre... D'accord. Quand ils brillent beaucoup, ça veut dire qu'on les a pas pris. On va retourner. On va aller en bas. On va retourner en bas. Parce que celui qui est tout à fait à droite... Merci. Celui qui est tout à fait à droite, on peut pas l'avoir. Mais celui en bas, on devrait pouvoir l'avoir. Donc non, non, non. C'est la prochaine salle. Ah mais non, non. Non, celui qui est en bas à droite, mais justement, c'est celui de la ville. Donc c'est la zone avant, en fait, où il y avait un coffre. Ah, c'est le... C'est le coffre avec l'ampoule. Ouais, donc au final, ça sert à rien. Je sais pas comment on fait pour ouvrir le coffre à ampoule. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. On a repris un item en haut à gauche. Non mais... C'est moi qui étais vraiment con tout à l'heure, putain. Mais comment j'ai pu oublier ça? Ah, on n'était pas allé ici. Oh oh. Meliorium. On croirait un sort de Monsieur Harry Potter. Avec un nom pareil. Propre télévision. La tour d'ivoire. Ça, on peut pas le péter, on est d'accord. Ok.
On est d'accord. Est-ce que c'est bon? En faisant juste ça, qu'elle me demandait les trucs de bricolage, je sais pas si c'est bon. Ici, donc en bas, il y a un coffre qu'on n'a pas eu. Ah ben voilà. Ce fut rapide, n'est-ce pas? Et on peut continuer à gauche. Ok, bon, on va continuer à gauche. Putain, il va y avoir des fantômes partout maintenant ou quoi? Ça se passe comment, disons? C'est un petit peu chelou, hein, d'avoir des fantômes partout. Ah! Viens ici. Et... mais... re... deux. Ouais, c'est un rapide en plus. Il reprend sa vie extrêmement vite. En haut à gauche. Bon, je pense cette femme en ville a dit que le garçon a eu quelque chose. Ah, pas faux, ouais. Pas faux. Donc voilà, c'est la nouvelle zone où on doit aller. Ok, donc à partir de là, tout est nouveau. Ok, donc ça c'est... implant pour modif herm. Le nombre de modifs que tu peux créer a été augmenté. Ah bon. Oh. Ah. Voilà notre ami petit garçon qui a été enlevé. Le dialogue de sourds. Baisse-toi, ok. Ah ouais. Défonce tous les bords de ce cube. D'accord. Waouh! Un petit peu abusé, non? Moi, je veux bien défoncer tous les bords. Il fait un petit peu froid par ici, non? Perry. Comme Katy. Katy Perry. La pauvre. Ça doit être dur de porter son nom. Mais bon, c'est pas, elle est pas française, donc ça va. Mais... euh...
Bon là par contre la scène c'est un petit peu chiant. Est-ce que on peut l'étourdir? Je ne pense pas. Bon bah on va faire ça. Tu fais un petit peu mal. Est-ce qu'il peut passer à travers les murs? Je pense pas. Son tir doit pas passer à travers les murs. Ah! Merde. Quoi? Mais... je peux me cacher mieux que toi. Merde! T'es vu te cacher en dessous. Eh ben. Ah. Mais tu veux que... bah. Attendez, j'ai un bug là. Il y a plus de bord. Quoi? Défonce tous les bords du cube. Moi je veux bien, mais quand tu veux que je défonce le bord du bas, je peux pas y aller vu que c'est bloqué par le sol. Très étrange, dis donc. Ah, et merde. Mais comment j'ai fait tout à l'heure? Bah... non mais c'est une blague là. Ça marche plus. Je fais exactement la même chose que tout à l'heure. C'est très 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 chelou quand même. Ah, j'y comprends rien du tout. Mais... bah... comment j'ai fait tout à l'heure? Mais pourquoi tout à l'heure j'ai réussi à l'avoir du dessus et maintenant je peux plus? C'est un bug ou... qu'est-ce que c'est que ce beans? C'est très très bizarre. Hein. Mais bon... ah, j'avoue que je comprends pas du tout. Bon, là, on est d'accord. Merde! Je voulais aller à droite. Putain, elle est repartie à gauche avant. Bon, on va faire ça à gauche. Alors peut-être que maintenant on peut le casser, non? Non. Non plus. Peut-être avec le gros kick là, le gros coup de pied. Oh, c'est hard. Mais pourquoi? Tout à l'heure elle était un petit peu cassée en haut. Pourtant j'ai pas fait le coup de pied. Si? Je me souviens trop pas. C'est chelou. Hein. Très 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 chelou. Hein. Enfin bon. Arrêtez ça! Qui c'est ça? Il y a Link qui vient d'arriver. Ah non. C'est peut-être le mec de Seven Deadly Sins plutôt.
Elro. Attendez, c'était son frère. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. C'était son frère, ouais. Qu'on avait vu une fois. Tournesolette. Miron. Dans son bateau. Ok. Bon, Link, apparemment, il veut pas venir avec nous. Dommage. J'aurais bien aimé avoir Link. Ah, et donc là, c'était le truc de la clé. Est-ce que j'aurais oublié un autre mouvement, peut-être? On va dire que non, quand même, je préfère. Ah oui, donc il nous disait qu'il y avait d'autres trucs qu'on pouvait créer, non? Ah oui, en effet. Attendez, je bouge ma chaise un petit peu. Ah, c'est ça, Axe permet de faire tourner la queue plus longtemps. Ok. Électrifiant. Électrifiant. On va rester comme ça, on s'en fout. On va rester comme ça. J'achèterai des trucs avancés, là, les machins verts. Je pense que ça vaut mieux. Je commence à avoir pas mal d'ingrédients et tout, donc... On va sauvegarder. Ça faisait longtemps. Avouez-le, ça faisait longtemps. Donc, le bateau... de la colonie 17. Attendez. Oh, ça va faire une heure. Eh bien, on ne va pas tarder à s'arrêter pour cette nouvelle partie, donc qui a mis un petit peu de temps à arriver. Hein, désolé.
Oh la vache! Tu parles un pistolet à eau? Ok. Ah donc, voilà la fameuse clé. On va ressortir. On sait, on peut toujours pas la voir. Donc il parlait d'une clé et tout à gauche, il disait, de l'autre côté de Rocheter. C'est ici Rocheter. Ah non. Colonie 17. De toute façon, merde, on peut plus revenir à l'intérieur. Sans deck. Sans deck. De toute façon, donc je vais vous dire à bientôt. On va juste aller sauvegarder. Parce que là, je peux pas. Ouais, on peut pas aller en bas. On pouvait passer par là en fait. Et bon, ça m'arrange pas du tout. Donc on va sauvegarder. On va s'arrêter ici. Je pense que je ferai sûrement une autre partie durant la journée. Comme ça. Voilà. Il y aura des parties comme ça chaque semaine. Sauf si je suis malade encore. Mais je pense que ça devrait aller mieux. Ah, voilà Rocheter. Non, mais c'est ça, ça doit être à gauche. Donc, je vous dis à la prochaine. Et moi, je pense que je vais continuer. Donc, passez du bon temps avec plein d'amour et nos jeux vidéo favoris. Bye bye!